Et coucou, petite vidéo de retour de séance d'hypnose. Alors, je reçois beaucoup de monde en hypnose et je dépasse un petit peu le cadre de l'hypnose. C'est vrai, quand je reçois les gens, je prends le temps de discuter, de comprendre ce qui les amène, ce qui fait qu'une séance d'hypnose avec moi, ça dure. Dire le rendez-vous fait 1h30, 2h, là où certaines personnes vous emballent ça en 1 heure et c'est fait. Moi, j'aime bien discuter avec vous. Voilà. Et parfois, ça mène à des prises de tête incroyables. Alors, prise de tête au sens positif, c'est-à-dire, ça soulève des questions auxquelles on cherche des réponses. Parfois, on trouve, et là, eh ben, j'en ai pas. Alors, je voulais partager avec vous un petit peu ce que vous en pensez, voir si vous avez une réponse à me donner. Bon, pour vous situer, cette personne me consulte, problème de couple, voilà, incompréhension, problème de dialogue, beaucoup de colère, d'amertume, enfin bon, bref, voilà, classique. Et cette personne me dit, je ne comprends pas parce que on est tellement différents avec ma femme. On est complètement opposés. Et pour autant, je ne peux pas la quitter. Et moi, j'aime bien, je m'appuie souvent sur les dictons et les proverbes. Vous savez, je trouve que tous les proverbes et les dictons, en fait, ils ont une. Ils ont une origine véridique. Et donc je lui dis, bah, vous savez, c'est ce qu'on dit, hein, les opposés s'attirent. Et là il me répond, ah bah oui, clairement, on s'attire, il n'y a pas de problème pour ça. Mais il dit, il me répond, oui, mais si vous êtes dans les dictons, vous savez ce qu'on dit, qui se ressemble s'assemble. Et je lui dis, oui, effectivement. Et il me dit, qu'est-ce qui vaut mieux au final dans un couple? Est-ce qu'il faut mieux s'attirer ou est-ce qu'il vaut mieux s'assembler? C'est-à-dire, lequel des deux dictons est le plus vrai dans un couple? Est-ce qu'il vaut mieux partir sur qui se ressemble s'assemble pour que le couple soit pérenne et harmonieux? Ou est-ce qu'il vaut mieux partir sur le... les opposés s'attirent. Bah, je trouve que c'est une excellente question. Ouais, qu'est-ce qui vaut mieux dans un couple? Se ressembler ou être différent? Alors, on a beaucoup... a beaucoup discuté avec mon client. Bah, je sais pas. Donc du coup j'ai fait l'introspection de mes innombrables vies de couple pour essayer de voir lesquelles avaient le mieux fonctionné. Est-ce que c'était celle où j'étais qui se ressemble s'assemble ou celle que j'étais les opposés s'attirent. Et je crois pouvoir dire que les personnes que j'ai le plus aimées dans ma vie étaient mes stricts opposés. Pour autant, ça n'a jamais vraiment duré. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux un qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent? Bon, allez, là, j'ai besoin de vous. Racontez-moi votre vie, expliquez-moi, dites-moi, vous. Dans votre vie amoureuse, c'est quoi votre dicton du coup? Les opposés s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent? D'après vous, qu'est-ce qui marche le mieux?